êtes au centre de tri de Agir-la-Redingote, au 34 rue Lazare Carnot à Alençon. Donc nous on s'occupe de tout ce qui est de collecter les dons dans les conteneurs que vous voyez à peu près partout en ville. Et donc nous ce que nous recherchons beaucoup c'est des vêtements de qualité pour pouvoir aller dans notre boutique solidaire qui est au 106 rue du Mans. Et il nous manque beaucoup de vêtements hommes et de l'enfant à partir de 12 ans. Donc n'hésitez pas à vider vos armoires et puis voilà. Le camion vient d'arriver. Il y a 4 conteneurs dedans qui étaient remplis. Voilà, là on trie et après on ramène son côté dans le centre de tri. Bonjour, je m'appelle Aubert Célia et là je fais le tri des vêtements, donc hommes, femmes et enfants, de toutes sortes. Les vêtements qui sont inutilisables, c'est dans la poubelle. Et les vêtements qui sont utilisables, c'est dans les bacs en ferraille. Nous faisons le tri. Hommes, femmes, enfants. Je m'appelle Camille et je vérifie si les vêtements ils sont en bon état ou s'ils ont des taches, des fils qui dépassent. Et si c'est bon, on les met dans ce bac-là pour mettre au pliage. Et si c'est pas bon, on met ça en secondaire. On met quelques vêtements dans la friperie pour s'il y a des fils ou des taches. Et si c'est vraiment taché, on les met à la poubelle. Je m'appelle Sindel. Je regarde l'état des vêtements. Je les plie et je les range en fonction des catégories des sexes. Il y a pile, t-shirt, mâche longue, chemise mâche courte. Il y a aussi les extras. Donc les extras, c'est tout ce qui est marque.